Vite, 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 même champion, il ne faut surtout pas relâcher la pression. À entendre Pierre Mignoni à l'entraînement, le Loup doit relever la tête après sa défaite face à Tarbes la semaine dernière. Déjà assuré du titre en Pro D2, les Rouges et Noirs semblent avoir bien reçu le message. Ne pas se déconcentrer et gagner face à Béziers dimanche. Voilà, comme tout entraîneur, maintenant quand il y a une défaite, il ne va pas nous dire que c'est bien. Je crois qu'aussi on en est conscience. On est conscience qu'on n'a pas joué à notre niveau vendredi à Tarbes. Donc j'espère qu'on va remettre un peu de plaisir, un peu d'envie et d'enthousiasme pour finir cette saison et surtout pour vaincre Béziers devant notre public. Car il s'agit de ne pas gâcher la fête. La réception de Béziers dimanche sera en effet l'occasion pour le Loup de célébrer avec son public le sacre et la remise du bouclier de champion de Pro D2, acquis après une saison presque sans faute. Ouais, pour nous avant tout, voilà, ça va jouer le dimanche après-midi avec certainement beaucoup de monde dans la tribune. Donc voilà, faire un bon match pour continuer à prouver qu'on n'a pas été champion pour rien. Loup Béziers au Matmut Stadium, c'est dimanche à 14h30.